Ok, merci. Toligny Kobanda, Misa Nabiso, Bongo Mesano, Ba Oyo Bako, prendre part activité, Ovala la Katia Liturgité, Bakocha, Ba téléphone à Bangona silencieux pour éviter Ba dérangement. Pousse ordinateur, pousse à part. Assemblée Mandouya n'a pas tout le monde. Micro Kobanda. Bandeko le loto zali lomingo la mibale la pasika ata tomoni Kristo na miso te toyebite azali awa onte ya biso lokola atindaki ba apostolo azali pe kotinda biso tosangela bato banso sango elamu ya ye sina makanisi oyo wana tokotelema koyamba nganga nzambe kuuze esantu elembo ya libiki ya biso banso elongo na koral toyemba pe tobete maboko. Alléluia, 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 alléluia. Mokonzi asekwi tosepela, toyembela ye, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Maria Madeleine Kenneki, kota la lilita ya mokonzi. Maria Madeleine Kenneki, kota la lilita ya mokonzi. Alléluia, 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 alléluia. En combo ya tata, pe ya mwana, pe limo santu. Amen. Mokozi, azala na bino. Azala pe na yo. Azala pe na yo. Bandeko boboto. Bondeko. 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 Esengo. Ya solo, lelo ezali, lomingo, la ibale, ya pasika. Deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Tokoyo kanamata ndengenini Yesu akoya koyela ba apostola ye boboto. Pe oyela bango boboto akotinda bango bakende bango pe bakende kote ya eloba ya Nzambe, hein, l'église missionnaire bakende kosangela sango elamu. Sango elamu kosangela ndenge nini bakosangela ke Yesu oyo asekwaki mpe akufaki asekwi pamba te Yesu aza kobimela baapostolo mpo ya kolongola badute epai na bango, hein, bazali na mikakatano na kati ya boyambi ya kondima ya solo ke mokonzi asekwi mokolo ya misato akosekwa ndenge tokomona moko na bango azalaki te akozonga bakoyebisa tomonaki mokonzi akoloba ngai na kondima ta mokolo moko te Yesu akozonga pe kolakisa yeke ya solo na sekwi esengo na bayeba kondima ta bamoni te yango wana biso bakristu liloba ya nzambe ekomeli epai na biso esengo na biso lokola pamba te tondimi liloba ya nzambe kasi tomoni Yesu oyo asekwaki te abimeli biso te lokola baapostolo kasi tondimi liloba ya nzambe ke asekwi.
to senga na misa ma nzambe ya polisa boyambe na biso to continue to kuba kondima ke ya solo mokonzi ko ya kufaki asekwaki yende libiki na biso ne mwe wa biso pe ko tina biso biso pe lokola ba apostolo to ke ne ko te ya samuela ya mwana na ba intention na biso na ya moko moko ya libota ya bandeko ba sengi biso lo sambo to tia mwana boko ya nzambe pe to sambe la ba yepo na ba ebanso bazangi bato ko sambe la pona bango ba bazangi na pasi ya ndenge na ndenge to tia ba mwana boko na boko ya nzambe pe ba ebanso ba kwesi boyami na bango to tia ba mwana boko ya nzambe abatela bango asalisa bango akolisa boyambi na biso lokola akolisi boyambi ya bapostolo na ndimi te na sali mabe omiso manzambe wa bokasi bonso omiso na bino bandeko na sumuki mingi na makanisi na maloba na misala mpe na botiki masengisi na ngai solo na ndimi te na sali mabe yango wana na kobondela ngono mosantu Maria banzelu na basantu banso na bino bandeko banso bosambela mokonzi oya ngai nzambe bokasi bonso ayokela biso mawa alimisa masumu mabiso akamba biso omomoi bwa lobi amen mokonzi okamawa Mokonzi okamawa Mokonzi yokabiso mawa Kristo yokamawa Kristo yokamawa Kristo Mokonzi okamawa Mokonzi Mokonzi okamawa Mokonzi yokabiso mawa Bandeko Sikawa elongo na mapinga ya likolo toko kumisa nzambe tata, nzambe mwana, nzambe limo santu na loyembo la nkembo. Banso toko emba tobete maboko elongo na korala. Nzambe o likolo Ose bobo tora bato bango kema buramu Kembo, kembo, bile komiso ose komame Ah, kembo, kembo, nanzambe oli kolo Ose bobo tora bato bango kema buramu Kembo, kembo, bile komiso ose komame Ah, kembo, kembo, nanzambe Ose bobo tora bato ba monte ma bolamu Kembo, kembo, bile kobiso ose ko amen Toko kumisa ya nzambe tata Toko yemba toko bila toko kuma bila yoi Ozale siwa biso e Kumu wabam kumu e tata nzambe toyemba Toyemba kembo Toyemba kembo Kembo na nzambe oli kolo Ose bobo tona bato bamote mabolamu Kembo kembo leko biso seko ame Kembo na nzambe oli kolo Ose bobo tona bato bamote mabolamu Kembo kembo leko biso seko ame Oya kiawa ose olati nebo moto
Yomona wanzambe komi moto po ya biso e. Obiki siwa biso e. Obiki siwa biso e. Yesu Kristu toema toema. Pascal, augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux que le baptême nous a purifié, que l'Esprit nous a fait renaître et que le sang nous a racheté. Toko bon de la bongo. Zambia Jésus-Christ. Mokonzi wa biso, mwana wa yo nzambe, azali na nkembo elongo na yo te na elimosa. Obileko biso seko. Bandeko, sika wa tokomi eleko toyokaka mikanda misantu. Litangi lya yambo, ndakisa ya losambo mpe ya boyambi wa bakristu bayambo. Esali ke bato banso bayike bandimi kokoma bakristu. Liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya bitela bya bapostolo. Acte des apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Tolanda motangi na bokebi. Première lecture. Lecture du livre des Actes des apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges
s'accomplissait dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous les portiques de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait les éloges. De plus en plus, de foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir des malades sur des places en le mettant sur les civières et des placards. Ainsi, au passage des pierres, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Lendisa bandeko ba Kristu bazalaki konyokwama Santo Yohane akundoleli bangote Kristu abimeli ye bufu ya boyebisi mibombamo Apocalypse chapitre 1 9 à 13 et 17 à 19 tolanda motangi na Deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, votre frère, y participe avec vous à la infliction, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus ravi en esprit les jours du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. » À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Théâtre, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait et quand je me fus retourné, je vis cette chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers,
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe portée à la hauteur des seins, une ceinture d'or. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il est et il pose sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'ai été mort et voici que je suis vivant au siècle de siècle. Je tiens le clé de la mort et de l'enfer. En Christ donc, les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Thomas ayambi nzambi amoni mokonzi. Esengona oyo ayambi ata amoni te. Alléluia. Alléluia, 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 et toyangala la loufou tu mongo, la fumu Yesu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Metoyanga la na lufu tumoko ya fumu Yesu. Kristu lefu mufa, Kristu lefu tumoka, Kristu lefu tumoka. Alléluia, parce qu'il y a une alléluia, 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 et tout y a malala, Christo menung alufwa Christo menung alufwa Christo menung alufwa Christo kezingayaka Christo kezingayaka Christo kezingayaka Alleluia Pake aikese Alleluia Alléluia, 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 le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Pour toi, Seigneur. Nous lisons dans Jean chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. »
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ce péché, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ce péché, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, moi je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sauf croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Boboto. Boboto. Banzambe. To kozali kokoba na yenga ya pasika jour ya octave ya pasika wiki na semaine ko eleki semaine mobimba ya misa ya ntongo tozali kokoba kotanga malivre ya acte des apôtres, comment Jésus envoie les apôtres à mission, comment les apôtres ont commencé à prêcher, à annoncer ce Christ qui est ressuscité. Nous avons ici dans la première lecture, dans l'évangile d'abord, il y a Jésus qui vient se manifester aux disciples, aux apôtres, pour leur montrer, leur donner d'abord la force, leur donner la paix, parce que les apôtres sont dans la paix des Juifs. Le Seigneur est mort, on l'a crucifié, quel sera notre sort après? Les disciples se posent des questions. C'est pourquoi ils doivent rester dans une maison enfermée. Ils ont peur que les Juifs viendront aussi nous prendre. Alors Jésus, comprenant leur foi, comprenant leur pensée, il a vu que c'était normal, c'était bon d'aller me manifester chez eux. Aller me représenter chez eux pour que ceux-ci puissent enlever la paix. Pourquoi? Quand Jésus vient, il commence à leur dire la paix soit avec vous. Parce qu'on comprend mieux que quelqu'un qui est dans la paix, s'il a déjà perdu la paix en lui, la paix intérieure, même la paix est dans la vie normale. Quand il est dans la paix, on perd la paix. Alors Jésus vient, il leur donne la paix soit avec vous. Et les disciples voient Jésus, ils sont contents de voir Jésus. Maintenant, ils commencent à croire que oui, il est vraiment ressuscité. Ils commencent à penser aussi aux Écritures, que c'était écrit que les 3 jours, il va ressusciter. Et nous l'avons vu, maintenant, il est vraiment ressuscité. Alors ici, dans l'Évangile, Saint Jean nous présente beaucoup de choses. Il y a Jésus qui donne la paix aux disciples. Il y a Jésus qui leur donne l'Esprit Saint.
Et il y a Jésus aussi, Jésus qui les envoie aller prêcher la bonne nouvelle. Il y a aussi Jésus qui les dit à ceux que vous remettez les péchés seront pardonnés, seront enlevés. À ceux que vous retiendrez les péchés seront retenus aussi. Jésus leur donne les pouvoirs, hein, les pouvoirs. Il leur donne l'Esprit Saint. D'abord, il y a la paix, ils sont contents de voir le maître. Il y a maintenant l'Esprit Saint. Parce qu'ils doivent aller annoncer l'évangile. Et aussi, maintenant, Jésus leur donne la parole de la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il envoie les disciples. Pourquoi? Pour aller maintenant proclamer que oui, le Christ est ressuscité. Celui qui a été crucifié, celui qui était mort, celui qui était enterré, il est ressuscité, il est apparu à nous, il est apparu d'abord aux femmes, il est apparu. Allez prêcher Jésus. Hein? Je vous parle la fois passée, on parle maintenant de Jésus ressuscité. Maintenant, les apôtres, parce que les Jésus terrestre, comme on parle en théologie, lui-même était l'auteur, lui-même était le protagoniste, lui-même, c'est lui-même qui prêchait, c'est lui-même qui faisait les miracles. Les disciples étaient seulement les accompagnateurs. Ils voyaient Jésus, comment il faisait tout, comment il prêchait, comment il priait. Maintenant, c'est leur tour. Maintenant, Jésus les envoie. Allez maintenant. Ils vont prêcher le Jésus qui était avant avec eux quand il était vivant. Ils vont prêcher ce Jésus ressuscité. Donc, la vie de Jésus. Maintenant que les disciples vont continuer à prêcher. Et plus particulièrement, prêcher Jésus qui est ressuscité. Avoir la foi en ce Jésus, parce qu'on comprend que c'était difficile pour certaines personnes de croire que quelqu'un pouvait mourir et ressusciter le troisième jour. Même pour les disciples, et même c'était difficile pour eux de croire. Alors Jésus apparaît pour enlever les doutes, hein, la peur, les doutes aux disciples. Et il apparaît, Thomas était absent. Il revient, on lui dit, bon, nous avons vu le maître, le Seigneur, il est ressuscité. Vraiment, il est vivant. Il était ici. Thomas dit, non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si je ne mets pas mes mains dans ses mains, là où on a percé tout ça, moi, je ne croirai pas. Il dit, moi, je ne croirai pas. Alors, il présente vraiment les doutes, hein, manque de foi. Les doutes, là, ils pouvaient croire aussi que bon, les autres 10 personnes, quand ils témoignent une chose, on croit déjà que c'était la vérité. Thomas dit, parce que toujours difficile à l'époque, hein, c'est difficile croire que quelqu'un pouvait ressusciter les dès le troisième jour. Même Jésus les avait dit qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et c'était difficile pour tout le monde. Alors on dit à Thomas, Jésus ressuscité, il refuse. Maintenant, Jésus a trouvé aussi bon de revenir encore, de ne pas laisser Thomas dans les doutes, de ne pas laisser Thomas laisser à part. Il doit partager la joie de la résurrection avec les autres. Jésus trouve bon de revenir encore. Il revient maintenant juste pour enlever les doutes de Thomas. Hein, pour Thomas, c'était encore grand. Il croit en Jésus maintenant. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu, il croit maintenant parce que Jésus lui a montré de faire ce que lui disait. Si je ne fais pas ça, je ne croirai pas. Jésus vient lui faire ça. Mets ta main ici et tu verras. Et Thomas croit maintenant, il professe la foi. Et mon Seigneur et mon Dieu. Alors, ce qui est important pour nous, Jésus dit à Thomas, et parce que tu m'as vu, tu crois. Et ceux qui croient sans avoir vu, c'est maintenant nous, les chrétiens aujourd'hui. Nous croyons sans avoir voir Jésus venir chez nous, comme il est venu ici aux apôtres, l'apparition de Dieu apparaît chez nous, comme à Thomas aussi. Nous croyons parce que les disciples ont compris cette mission. Ils sont allés annoncer ce que Jésus les a dit ici, la mission de Jésus.
aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Ils sont allés prêcher Jésus. Et l'évangile est arrivé même chez nous ici. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont reçu la paix. Ils ont reçu les commandements, la mission. Ils sont allés annoncer. C'est maintenant ce que nous voyons dans la première lecture. Nous voyons la première lecture. À Jérusalem, par les mains des apôtres, que beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le temple. Hein? Depuis lundi, tout le temps, après les apôtres, la mission maintenant des disciples. Après la résurrection, les soirs là, dans le bâtiment sur le Bango, ils ont commencé à annoncer. Et c'est ça la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. Ils commençaient à enseigner, baptiser les gens. Et les gens commençaient à les suivre. C'est ce que nous voyons aussi. Même ils commençaient à guérir les gens au nom de Jésus. La première lecture nous parle de la guérison de beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens voyaient c'est la puissance que les disciples avaient. Ils amenaient les malades pour la guérison. Et eux aussi prêchaient. Il y a beaucoup de gens qui se faisaient baptiser. Ils devenaient croyants. Ils croyaient maintenant que oui, Jésus est vivant. Il était mort et ressuscité. Ils sont devenus croyants. Ils sont devenus les chrétiens comme nous. C'est ce que le Seigneur nous parle aussi. Et même Saint Jean, dans la deuxième lecture, parle. Il a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a dit d'écrire ce que je te dis et envoyer ça à cette église. Il envoie quoi? Il envoie la parole de Dieu. Et lui-même parle, doit partir annoncer aussi. Par exemple, Saint-Galanis, de la miséricorde. Conjoint Zali et miséricordieux, d'abord qui nous donne cette grâce, simplement de croire et continuer à croire, que le Seigneur enlève en nous les doutes, nous puissions croire, parce que déjà il nous dit errer ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous maintenant. Nous sommes errés parce que nous lisons la Bible, nous comprenons que lui il est ressuscité. Nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes. Vous comprenez ça, les amis, tous en envoyant, il y a un zambé. Tant que temps, il y a un zambé, tous en envoyant, tous en avant tout, pour te donner tous la grâce à vous, il y a un bisso, déjà un bisso, et c'est mort. Vous pouvez vous en envoyer, non. Vous pouvez vous en envoyer, non, en fait, ça m'a voté un bisso. Et si quand, ma problème, les amis, les amis, et si quand, ma bébé, quoi si voyant, et si comme toi, quoi si voyant, pour la macamboyant, il est dingue, aujourd'hui le Seigneur nous donne la paix. Il revient avec force, avec la paix, il te donne la paix, soit avec toi. La paix soit avec vous dans la famille, chez toi, dans ton cœur, pour que tu puisses devenir un bon croyant, pour que tu puisses aller proclamer qu'il est vraiment ressuscité. Bon déco. Nous, Rosalie Sango. Ok. Bref, today is the second Sunday of Easter. The second Sunday of Easter, Jesus is coming to the disciples, the gospel we read. Jesus is coming to the disciples to manifest himself because the disciples, after the death of Jesus, they were living in fear of the Jews. Then Saint John is telling us today that they were inside the house. Jesus came twice. When he came, he said, "Peace be with you." He gave them peace because they, you know, someone is living in fear. He will not have peace. Jesus came to give them peace first of all. Then giving them peace is giving them the Holy Spirit. Then after giving them the Holy Spirit, again the good news that Jesus, the good news I want to proclaim here is that Jesus that was dead is resurrected, is alive. Then among the disciples, Thomas was not around when Jesus came. They told him that Jesus came without death. Now Jesus came after him, I'm alive. When Thomas said, if I don't see, if I can put my hand into his hand where they put the nails, is
caught when they, I will not believe. Jesus came to him and told him, put your hand in. And Thomas confessed, he said, my Lord and my God. This is the faith. And Jesus said, happy are those that believe, even if they don't see. What I said is, we today, that we are believing without seeing, because the disciple came to preach the good news. Then in the other news, we see the act of the apostles. The first reading, we see how Jesus, the apostles that went to preach the good news. People are becoming believers, they follow them, they be baptized. Many people follow them. That is why we call all of us not to have doubt the word of God. When we read the Bible, let us have faith and become believers. When we become believers, we see the peace Jesus is giving us today. Because when he came, first of all, he said, peace be with you. May the peace of God be with you in your life, in your family, no matter the situation of life, the difficulties. Let the peace Jesus is giving us today be with everybody, so that we can be true disciples and go so to preach the good news as a disciple. Boboto. Bondeko. Bandeko, touti koyoka maloba manzambe pe ndimbula ya eglesia sika wa banso tokotele mepona kosakola boyambi bwa biso. Ayambi nzambe tata wa bokasi bonso, mozalisi wa likolo na se, nayambi Yesu Kristu mwana se moko wa ye, mokonzi wa biso, akomi moto na nguya elimo santu, abotami na ngondo Maria. Ayoki bolozi o eleko ya Pontio Pilato, bamobaki okorose, awei. Abuti o likolo, azali kuna o loboko la mobai la nzambe tata wa bokasi bonso, nde aye lisusu kokata likambo ya bato banso. Bae bazali na bomoi na bae bawa. Nayambi elimo santu. Nayambi eklesia e santo katoliko. Lisangali ya basantu. Polimbi si masumu. Sekwa ya bato. Bomoi balobiko. Amen. Tose na nzambe apolisa bae wabisho kwa mate na batisimo tokuma kiwa Kristu. Tose kwa ki peto. Upoya eglesia mobimba ezwa lelongu ya yasika mpote esala mosala mwa Kristo na mpiko to sambela. Epoa ni makenga, tuni tu kulomba. Epoa ni makenga, tuni tu kulomba. Epoa ni makenga, Upoya ba Kristu bakuli batisimo obutu ya Pasika. Lokola Kristu azali kotinda bango, basalisa baninga na esengo omitema, to sambela. Epoa ni makenga, kulitu kulomba. Epoa ni makenga, ei. Oya mangomba, ma paroisse ya biso boyoka ni mpe boboto bozala ontei ya bandeko banso babanga mpete komila kisa ba Kristo basolo to sambela. Mpo ya bato bazali konyokwama
batika la pene pene na Kristo oyo asepi balemete kasi nguya ya Kristo elendisa bango mitema tosambela oya biso banso tosangani awa toyamba Kristo oyo azali kotinda biso tosala mosala mwaye lokola baapostolo basolo tosambela epo wani makenga kuli kokolomba epo wani makenga E mo kozinzambe tokobonde la yo yo kolo samu ya bana ba yo aba kobonde la yo kolo ya lelo okolo samu ya ba biso pa bate biso pe malingi tozala ka lokola la toma na nzela ya boyami osalisa biso tozala pa Kristo toka la malayo na nzela ya boyami likolo biso Tumbuni la bongo, kwa Kristo mokozi wa biso, obileko biso seko. Amen. Bandeko, sika watokomi eleko, tosunga ka misala ya eglesia, na nzela ya misala na biso, tosala yango na boboto mpe bolingo, neko genole ya ko rappele biso kashap naye. Merci. Loko bonjela nzambe na esengo iole Loko bonjela nzambe na esengo iole Iole oh iole Iole Biso, pepo ya bolamu wa eklesia mobimba.
Maboko likolo bandeko tobondela mokonzi. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Au bon de la bombe, au Père Christ, mon cousin, au abisso. Amen. Mon cousin, à Zanavino. Tombola mitema epai ya Nzambe. Tomboli yango epai ya Ye. Tondo mokonzi Nzambe wa biso. Solo yebongise bongo. Vraiment, il est juste bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a affranchis de la mort et dans le mystère de la résurrection. Chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, 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 santo. Santo, santo, nzambe mo santo, nzambe wa molongo, yo mo santo. Santo, santo, nzambe mo santo, nzambe wa molongo, yo mo santo. Santo, 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 Santissa Mamonza Maeli Monsantu a quitté la Mangouma comme la Bisso, Zoto Namakila Mokonzi Wabisso, Yesu Christo. Mokolo Bakanakiye, Ami Pesipe Andimi Koyo Kampasi, Akamatilipa Tonio Abuki Yango, Apesi Baye Koli Baye Alobi. Kamatani boli yango bino baso, eyezali nzoto ya ngai na kokaba yango po ya bino.
Christo, yon zambe, yon mokonzi. E silisi bango kolia, akamati pekeni, atonio lisusu, apesi baye koli baye alobi. Kamata ni bome ya hobi no baso, e zalinke ni ya makila wangai, makila honde kwa sika pe kwa seko, makoso panapo ya bino, pepo ya bato baso, natina te bozo bolimi si wa masumu, bosa la kaboye, po ya kokanisa nga. Boyambi babiso ba Kristo mongomba momonene mongonzi tokosakola bole iwaya yo tokosepela seboya yo mongolo kosangela biso nanke. Emokozi nzambe tokokanisa liwa peseko ya mwana wa yo, tokobonzela yo bile bikopesa bomo ibarobiko, tokotondo yo nzambe obengi biso awa po ya kukumisa yo, tokobonzela yo tokula biso nzoto na makila ma Kristu, elimo santu asa kisa biso toko masemo tomoko. Mokozi, elimo santu asa kisa biso toko masemo tomoko. Mokonzi kanisa eklezia yo epanangani osemo mbimba okolisa bolingo bwa yo mitema ya bana ba yo kanisa papa wa biso François na episcopo wa biso Yuda Tadeo na banganga nzambe banso. Mokonzi o kanisa biso banso o kanisa pe ba ndeko wa biso ba we bazalaki na eliki ya kose kwa o kanisa ba ebanso batikise ye oya mabango mboka yo bamona elongi ya yo. Mokonzi o kanisa bango banso tokobondela yo oyokela biso banso mawa oya mabiso omoi bwa seko elongo na ngonomo santu Maria mboti wa nzambe elongo na baposolo mpe na basantu ba banso bazalaka bandeko bwa yo awase bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo. Mpo ya Kristu elongo na ye mpe okombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata bokasi bonso kozai na elimo santu nzambe moko obeleko biso seko. Amen. Lokola mobisi atendi batiso tokoki koloba boye tata wa biso ozali likolo bato bakumisa kombo ya yo balima bokonzi bwa yo boye olingi yango basalango se lokola bakosalaka o likolo pesa biso lelo bile ya mokolo na mokolo libisa mabe mabiso lokola biso tokolingisaka baninga salisa biso tondima masengenia te Mokonzi wa biso akosomba na yo mokonzi.
mokonzi na yo mokonzi nguya na nkembo obile ko biso seko mokonzi Jesu Kristo lobaki na apostolo te na kotika bino mokoto na kopesa bino mokoto wa ngai otala masuma biso te kasi tala boyami mwa eklize na yo pesa yango moboto mpe komisa yango libota yoko yo ozali mokonzi obileko biso seko amen boboto boboto okozala bino ezala mpe na yo bandeko po bolingi kristu botomela na boboto mbote 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 mwampaka ya nzambe mwampaka ya nzambe okolongola masumu ma bato okolongola masumu ma bato yokela biso mawa okolongola yokela biso mawa mwampaka mwampaka ya nzambe okolongola mwampaka ya nzambe okolongola okolongola masumu ma bato okolongola okolongola masumu ma bato okolongola eza biso boboto ye mwampaka 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 bandeko botala mapata ya nzambe botala yesu oyo akolongola masumu ya bato esengo na bamokonzi ya kobianga kolipati ya ye mokonzi ngai nde nani eyo olingela ndako ya ngai loba se liloba noko molimo na ngai mokobika nzoto na makelo na kristu nobomwa biso obomoekwa lobiko amen Lia olia lia olia mana yo kiposa e kolia ndoto ya mpiti si oli pati ya lelo lia olia lia olia mana yo kiposa e kolia ndoto ya mpiti si oli pati ya lelo Patia Dia olia, mana yo ti posa e olia toto ya mobiki si oli pati ya lelo. Okondo buta mo santu, akadi toto ya ye. Lelo mana ye, lelo mana ye. Okondo buta mo santu, akadi toto ya ye. Lelo mana ye, mana ye. Dia olia, dia olia. Mana yo ti posa e olia toto ya mobiki si oli pati ya lelo. Dia olia, dia olia. Mana yo ti posa e olia toto ya mobiki si oli pati ya lelo. Kondo tani mesa e adengi so tolia e lelo. Mana ye lelo, mana ye. Kondo tani mesa e adengi so tolia e. Lelo, mana ye, Dia olia,
Olia, Olia, Mana, Yoni, Bosa, Olia, Zoto, Yamo, Biki, Si, Oli, Pati, Alelo. Olia, 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 Olia. Nana yoki posa e koli anzoto ya mobikisi kioli pati alelo. Mambo koli kolo baneko zobonde la mokonziye. Nous t'en prions Dieu Tout-Puissant que le mystère Pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nous, en nos cœurs. Poya Christu mokozi, obileko bisoseko. Amen. Boboto. Obileko. Bon dimanche na bino banso. Merci na ba acteur liturgique, chorale, ba lecteur, na participation à biso banso pe. Nzamako ba kobati la biso. Et pour son abisso, pour ça, il s'abisso dans la voyamito, pour ça, voyamité, à ta passe, les alliés, à ta mikakata, mes alliés. Merci, Nabino Pé, pour un cadeau, mon aki, Zambé, Abate, Nabino Pé, à son abisso, Nabino Pé, beaucoup à peu, pour ça, il s'abisso, Maninga, Moussou, Soupe, Bangan, Zambé, Banso. Merci, Mini, Nabino Banso. Merci, Sam. Mokozi azala na bino. Amen. Zambe mokasi bwaso abenisa bino. Tata mwana. Deli mosantu. Amen. Amen. Isa esili bokende na boboto. Toko toko Zambe. Bon dimanche na bino bwaso. Merci parrain. Merci parrain. Merci. Fumuzami fatana kulusi mene futu mukana bafwa mubiga wa yonso ya kezina kakwisa zambi matolo Fumuzami fatana kulusi mene futu mukana bafwa